à toutes et tous, Thomas de chez DefiTech. Une vidéo que j'avais envie de faire, de vous montrer en fait un aspirateur de table un peu particulier, qui est vraiment différent des autres, est un aspirateur de table de chez Domo, qui est un modèle qui s'appelle DO211, qui est disponible sur notre site de vente en ligne ou en magasin, que vous pouvez bien évidemment commander. Mais j'avais envie de vous le montrer car il avait quelque chose de particulier. Donc, quand vous ouvrez la boîte de cet aspirateur, vous trouvez bien évidemment le mode d'emploi, ses accessoires, une brosse à adapter devant, un suceur étroit, donc pour les petits coins plus difficiles à avoir, et une électrobrosse. Alors ça, c'est quelque chose d'assez particulier. Donc vous avez une brosse ici rotative, voilà, comme une turbobrosse, on peut rappeler ça. Et en fait, elle vient se connecter ici, à l'aspirateur. Vous êtes sur un aspirateur de 14,4 volts, donc quelque chose de relativement puissant. Ok, donc je vais vous montrer ensuite comment ça aspire. Vous voyez que c'est quand même relativement bien comme appareil. À l'intérieur, le bloc moteur. Et vous avez donc le filtre que vous devez nettoyer régulièrement, vider évidemment aussi régulièrement le bac. Si au cas où vous le nettoyez à l'eau, laissez-le toujours bien sécher. Ça, c'est très très important. Sinon, un petit coup de soufflette, un petit coup de compresseur, voilà, c'est toujours utile. On remet bien les deux broches ici en bas et il doit se reclipser sans forcer. C'est un aspirateur qui fonctionne extrêmement bien. Ceci va vous servir à quoi? Eh bien, pour vos divans, pour vos tissus. Ça, pour les espaces un petit peu plus difficiles à avoir. Vous voyez? Donc, c'est quand même très puissant comme aspirateur. Particularité, il est relativement silencieux, malgré sa puissance. Et quand vous vous servez de l'électrobrosse, donc ça, c'est vraiment une brosse très puissante qui vient, voilà, vous la posez comme ceci, sans même... Vous voyez, comme ça aspire, ça vient vraiment chercher les produits, même avant qu'ils soient donc en dessous de la brosse. Au niveau de la charge, vous savez mettre les accessoires comme ceci dessus, vous savez mettre la charge au mur et simplement venir, voilà, connecter l'aspirateur dessus. C'est tout. Et il tient comme ça au mur. Petit truc et astuce pour votre aspirateur. Faut-il recharger à chaque fois votre aspirateur de table? Non. Vous devez le charger une bonne fois, le laisser se décharger et quand il est à plat, le remettre en charge. C'est vraiment comme ça que vous allez conserver longtemps la batterie. Pour commander cet appareil, je vous renvoie vers notre site de vente en ligne. Vous avez évidemment les liens qui sont mis en dessous. Passez-nous voir en magasin, prenez-le directement en magasin. N'hésitez pas à commenter sur notre Facebook, partager la vidéo, liker la vidéo. Évidemment, mettez des commentaires sur YouTube, ça me fait plaisir. Vous nous donnez envie de voir d'autres produits et évidemment nos panneaux Pinterest. À bientôt pour d'autres vidéos. Ciao !